Salut, alors cette fois-ci, vidéo walkthrough numéro 43 de Zelda Twilight Princess. Alors, je suis toujours dans des petites phases d'exploration. Dans la vidéo précédente, je me suis notamment acheté l'armure magique. Enfin, j'ai fait les quêtes nécessaires pour pouvoir accéder au magasin, etc. Et pouvoir l'avoir à bon prix. Sauf que, bah, maintenant, forcément, j'ai plus un rubis. Je suis véritablement à sec. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, ce serait aller faire le jeu qu'il y a sous le chapiteau pour avoir plus de flèches dans mon carquois. Mais avant ça, je vais essayer de. Enfin, je vais déjà récupérer des rubis. Et simplement en allant voir Macaron. C'est juste à côté ici. Voilà, parce que j'ai encore des insectes à lui filer. Notamment des couples, enfin au moins un couple je crois. Donc je vais peut-être pouvoir récupérer 200 à 250 rubis, quelque chose comme ça. Voilà, donc en fait il y a, voilà, y a celui-là qui va former un couple et ensuite j'ai un couple juste au-dessus. Et grâce à ça, j'ai 100 rubis. Là, je vais lui filer ce couple-là, des cloportes. Plus normalement 100 après. Donc effectivement, j'aurais chopé 250. Voilà, donc ça c'est fait. Alors 14 invités, il me reste 14 invités ou... Je vais regarder vite fait. Ouais, à mon avis, il me reste 14 invités. Alors il faudra que... Voilà, enfin, je ferai peut-être ça, enfin même certainement. Si je le fais du moins, voilà. Si je le fais, si je fais la chasse aux insectes, j'irai, je ferai ça hors enregistrement. Je verrai peut-être si je peux choper une carte sur internet, histoire de faire ça un peu plus vite, pour pas perdre trop de temps. Bon, sinon, faut juste savoir que ici... Peut-être d'ailleurs, il y a un truc marrant, c'est qu'on voit les insectes que j'ai chopés un peu partout. Voilà. Ouais, donc je disais, il faut savoir que une fois qu'on ramène tous les insectes, on obtient la bourse de 1000 rubis. Donc bon, ça peut être sympa, notamment pour utiliser l'armure magique, mais c'est pas non plus d'une nécessité primordiale, donc on verra. Alors je vais aller tout de suite essayer de faire le petit jeu. Alors je me souviens plus du tout du principe, j'ai pas encore réessayé. Hop, voilà, c'est ici sous le chapiteau. Jeu d'étoiles, ça s'appelle. Étoile. Du rubis. Bon, donc ça se tente. La tâche débutera dès que vous aurez pénétré dans l'arène, ok. Ok, donc il faut que j'essaie de choper ces trucs-là. Et non, pas que je fasse de conneries parce que j'ai quand même payé pour faire ça. Donc je peux utiliser mon grappin, je crois bien, sur tous les... Sur quasiment tous les... Ouais, sur tout en fait. Sur tout le grillage, là, je peux utiliser mon grappin. Donc en fait, le but du jeu, ouais, c'est d'essayer de... Hop. D'essayer de tout choper. Je sais pas s'il faut tout choper ou s'il faut un certain nombre de points.
s'il faut tout, j'ai merdé. Ah bah quel dommage. Bon, j'ai réessayé. Bon, faut dire au début, j'ai un petit peu galéré comme un con. Ah, fait chier quoi. Allez. Faut que j'arrive à m'agripper. Voilà, comme ça. Et voilà, j'ai réussi à tout choper. Bon, forcément, avec les deux grappins, je pense que c'est beaucoup plus facile. Par contre, pour le deuxième jeu, si je me souviens bien, le double grappin est obligatoire. Ok, donc bon, visiblement, il va falloir que je revienne un peu plus tard pour pouvoir faire le deuxième, mais j'ai déjà eu un bon carquois, là. En plus, j'ai des fans à la sortie. Trop fort. Ça m'éclate. Je sais pas si je peux ramasser le truc, là. Faudrait bien ramasser l'os, porter. Tiens, va chercher! Oh, il va chercher en plus, énorme! J'aime bien ce genre d'animation. Alors, donc bah, il va falloir que je repasse un peu plus tard. En plus, il me l'a ramené. Il est fort ce chien, tiens, va chercher là-bas. Ouais, donc j'avoue que je sais pas trop quoi faire en fait. Je pensais revenir peut-être dans certains donjons. Repasser vite fait dans certains donjons. Ou sinon aller récupérer de la... Comment ça s'appelle ? De l'huile pour faire les quelques trucs que j'avais à faire. Je vais peut-être faire ça en premier. Ici c'est où, source de Toal. Non, c'est pas vraiment là, je crois que non, c'est ici que je veux aller, pardon. Voilà. Parce que dans... Je sais pas, je crois pas que ce soit dans la vidéo précédente, mais dans... Il y a peut-être 2-3 vidéos. Non, c'est pas ça. J'étais tombé dans plusieurs grottes dans lesquelles on me demandait d'avoir une lanterne. Merci. Hop. Non, c'est pas ce que je veux. On me demandait d'avoir de l'huile et en fait j'étais carrément à sec. Ouais, mais range ta lanterne sinon. Voilà, alors examiner. Lui filer 20 rubis, comme ça il va pas me saouler. See you. Sinon je voulais... Il y a toujours la poule d'or, hein. Je savais pas qu'elle était encore là. Bref, je voulais aussi peut-être passer vite fait dans les différents donjons que j'ai déjà visités, pour voir s'il n'y a pas des trésors que j'ai oubliés. Pas utiliser ma lanterne par contre. Ouais, faut peut-être déjà que je regarde. Bon bah visiblement ici il y a rien, hein. Donc ça sert à rien que je me fasse chier à aller plus loin. On va ressortir. Par contre je sais que au donjon dans la mine des Gorons, je sais assurément qu'il y a des coffres qui me manquaient, parce qu'en fait il y avait un des coffres auquel je pouvais pas accéder sans grappin, sachant qu'à l'époque j'avais pas encore le grappin, j'avais pas la possibilité d'avoir le grappin.
ici, je sais même plus. C'est où? Non, c'est par là. Je suis pas sûr, mais je crois que j'avais besoin de. J'avais besoin d'huile là-bas. Je vais aller vérifier ça. Ouais, voilà. Je pouvais même pas aller plus loin qu'ici. Hop. Il y a encore de la chauve-souris par ici. Bon, je vais essayer d'avancer sans trop utiliser ma lanterne pour l'instant. Mais non, je veux ranger ma lanterne. Voilà. Parce que visiblement, c'est un petit peu un beau bordel ici aussi. Un petit peu comme la grotte que j'avais visitée au lac Ilia. Bon, je vais plutôt aller par ici. Tiens, crève. Allez! Putain, je sais pas où aller, mais c'est pas grave. Voilà. J'essaie de donner des petits coups de lanterne de temps en temps, histoire de... Voilà. Histoire de voir où je vais. Ah, fait chier, mon épée, elle se tape contre le mur à chaque fois. Alors eux, je les déteste. Ils sont increvables. Voilà, ici. Voilà, il y a un flambeau, c'est parfait. Ça m'a l'air encore d'être un beau bordel ici. Il y a des embranchements un peu partout. Bon, on va essayer par là. Hein. Waouh, je suis pas passé loin. Derrière là, c'est juste un petit rubis à la con, mais il y a ici un gros coffre. Alors, peu importe ce que c'est, bon bah là c'est du rubis. De toute façon, j'ai besoin et des fragments et des rubis. C'est d'aller par là. Tchac, il y en a une autre ici. Elle vient crever. Là-bas, je vois une lumière sur la droite. J'ai l'impression que ça va être encore un spectre. Jack. Un flambeau, deux flambeaux. Qui m'amène un trésor. Enfin, un coffre. Ah, parfait, un fragment de cœur. Bon, j'aurais bien voulu aller jusqu'à 18 au moins. Parce que bon, après, pour aller plus loin, il faudrait que je fasse plein de jeux, etc. Ah, il me court après. Il faudrait que je fasse plein de jeux et ça demande pas mal de temps de tous les réussir. Bon, visiblement ici, il n'y a rien. Enfin, mis à part le spectre, ça a son importance, mais là, je crois que c'est mon 28e, et s'il m'en faut 60, je crois que c'est un petit peu mort. Hop, je sais pas du tout où je vais, c'est pas grave. Ah, j'essaie de m'orienter avec la carte. Allez, c'est parti, on va aller faire un tour par là. C'est quoi ça? D'accord, c'est juste une boîte. Je vais éclairer quand même pour voir ce qu'il y a. C'est juste un foutu mur. Ici, il n'y a rien, donc je peux retourner à l'autre embranchement. C'est par ici. Ah ouais, c'est pour avoir des noix. J'étais en train de me dire, je sais plus à quoi elles servent, ces espèces de graines là.
et c'est a priori pour récupérer des graines Mojo. Sauf que on est absolument pas besoin. Hop, il y a un petit coffre ici, ça va être sûrement du rubis. C'est toujours ça de prix parce que avec la... Enfin, quand j'utiliserai l'armure magique, ça me sera d'une grande utilité. Remplir. Bon, je sais pas ce que c'était. J'avais la possibilité de remplir quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Bon, du coup, j'en ai fini avec cette petite grotte. Je vais aller justement au donjon ici. Hop. Pour aller récupérer. Ce sera peut-être un fragment de cœur, c'est pour ça que je voudrais vraiment y aller. Hop. Par contre, je crois que je vais pas. Voilà, je peux pas me retransformer en humain, ça fait un peu chier. Je sais pas si je peux me cacher dans un coin ici. Ouais, c'est bon, ça marche quand même. Alors. C'est pareil ici, je crois que j'ai pas vraiment tout visité. C'est de passer par ici. Alors, je sais pas comment on ouvre ces foutues portes, je me souviens plus. Je sais même pas si on peut les ouvrir, c'est peut-être... Non, c'est pas ce que je veux. Ça m'a pas l'air d'être ça. Tellement confiné que j'arrive même pas à taper comme il faut. Bref, je vais utiliser ses services et j'irai peut-être faire un tour après aussi sur la route, justement, parce que sur la route qu'il y a ici en bas de la carte là, parce que je crois qu'il doit y avoir quelques petits trucs à faire aussi là-bas, ça peut être sympa. Non, j'ai pas le souvenir d'être passé par ici. Il y a la place pour passer, il faut que je fonce dessus. Waouh. Alors, que j'essaie d'observer un peu. Alors, c'est marrant, il y a un Zoro qui s'est pointé ici, je sais pas ce qu'il fout. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Là-bas, j'ai pas l'impression qu'ils vendent quoi que ce soit d'intéressant. Donc ici, normalement, c'est la porte qui est bloquée, là. Je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Mais c'est pas grave, c'est pas non plus... primordial. C'est cool. C'est cool aussi. Bon. Je vais retourner vers le donjon. Ça lagouille un peu. Tchac. Voilà. Il va falloir que je passe par l'espèce de salle de réunion là. Où il y a tous les gorons. Alors j'observe vite fait l'environnement, on sait jamais hein, si j'oublie quelque chose. Tchac. Bon, je vais pas faire le con, on va mettre les bottes, sinon je vais perdre du temps si je me retrouve tout en bas. Tchac. Bordel, j'avais pas souvenir que c'était aussi loin. Mmh.
Voilà, enfin. Alors j'espère que ce sera pas trop long là dans le donjon. Parce que normalement il faut que j'aille quasiment jusqu'au bout, juste avant la salle du boss. Je pense que je vais devoir utiliser l'armure de feu, encore que. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'en ai pas besoin. Pour aller là-bas, ça m'a l'air un peu mort. Ouais, j'ai pas l'impression non plus que je puisse m'agripper où que ce soit. Bon, c'est pas grave, hein, je vais essayer de monter. Je vais montrer où est le coffre. Voilà, en fait, il y avait deux coffres ici. Je crois que c'était un coffre sous l'eau. C'était certainement un rubis que je pouvais pas avoir. Il y a ce coffre-là que je peux pas atteindre sans grappin. Et je rappelle encore une fois, j'avais pas le grappin à ce moment-là. D'ailleurs, c'est assez, enfin, c'est unique, je crois. Oh non, le con! Putain, je sais pas. Allez! Putain, ça fait chier. Ça lag un petit peu et en plus, je fais n'importe quoi. Bon, où est-ce qu'il faut que j'aille? Parce que là, j'ai pas capté. Il y a un endroit ici. Putain, bordel, c'est pas possible. C'est pas si compliqué que ça. Ah, pff, ouais, d'accord. En fait, j'ai compris. C'est moi qui fais le con. J'ai pigé. Tchac. On va speeder de venir ici. Et ensuite, en fait, il faut que j'aille ici. C'était un peu une sorte de piège, là, ce qu'ils m'ont fait. Je sais pas pourquoi il y a une échelle pour monter, alors que de l'autre côté, il n'y a rien du tout à faire. Non, là, par contre, il va falloir que j'aille là-bas. Pour activer ce truc là, par contre, je crois que je vais devoir me speeder. Ah, bordel! Allez, allez! Bon, en même temps, c'est fait. Putain, je vais me faire niquer. Non, c'est bon. Putain, c'est vraiment pas passé loin. Ouais, donc là, c'est ouvert. Je peux y aller. Allez, je fonce. De toute façon, normalement, j'ai juste cette salle à traverser. Et ensuite, j'arrive dans la salle. Ah non! Comme par hasard, j'arrive un peu trop tard. Voilà, hop, c'est parti. J'ai peut-être dit des conneries, c'est pas ici. Ah si, c'est là, voilà. Hop, on va pas se faire chier avec eux. Donc encore une fois, si je dis pas de conneries, c'est par là. Je vérifie ma carte vite fait. Ouais, c'est bien ça. Ouais, cette salle à traverser. Ah!
choper son foutu arc. Allez, allez! Voilà, pour pouvoir ouvrir ça, et c'est parti. Je m'en fous, je suis un dingue. Voilà, moi je me fais pas chier avec les trucs là. Et là par contre, il y a des foutus snipers de partout. Oh! Je suis passé derrière, il doit être dégoûté. Ça en même temps, hein. Je vais en profiter. Par contre, je sais pas si je vais me noyer. Non, c'est bon. Ça passe. Alors, par contre, maintenant. Ouais, maintenant, enfin, en gros, il va falloir que je ressorte. Devoir se retaper toute la foutue route, mais il n'y a pas trop le choix. Ah bon, en même temps, non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à la vidéo dans la prochaine vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de refaire le, enfin, de faire le jeu pour obtenir les 100 flèches dans le carquois. Et j'essaierai aussi de faire un petit tour encore pour utiliser ma lanterne, parce que je crois qu'il reste encore deux mini donjons dans lesquels je dois l'utiliser. Donc j'essaierai de faire ça. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la suite.